Bonjour à tous, on se retrouve donc pour cet épisode 2 de L'amour vaincra, donc ce let's play sur Soleil et Lune avec ma petite chérie. Et du coup, pour cet épisode 2, on a tout simplement donc skip ce qui était inutile, et du coup, on est sur la deuxième zone qui se passe à peine 5 minutes après les dialogues, hein, c'est pas non plus ouf. Hein. Et du coup, c'est parti, donc elle y va, elle n'a pas le temps du tout. Est-ce que vous allez bien? Pour l'autre part, ça n'a pas beaucoup changé hein, depuis avant, mais. Et il y a Ramalos, est-ce qu'il est femelle maintenant? Parce que toi tu voulais un Ramalos femelle, et moi j'ai pas de Goélise, donc pourquoi pas. Je suis pas fan, hein. Oh. C'est un mâle chez toi, et chez moi est-ce que c'est une femelle? C'est un mâle. Du coup on va partir sur Goélise. Femelle, un mâle. Mâle, et du coup. Ouais, écoutez. On va le prendre. On va le prendre. Alors comment on va l'appeler? Oh là là. On va l'appeler par rapport à un matelot. Ah, bah, Goélise pour moi aussi. Ah voilà, deux goélises, très, très très bien. Vous aurez là beaucoup de diversité. Bon, moi c'est un couple assez mignon. Fait beaucoup de dégâts. Bon, je sais pas ce qu'il vaut, hein. Pas des masses, je pense. Bon, voilà, mid dive, ça devrait aller. Alors, un petit surnom d'avance. Alors, je ne sais pas, les gars. Il y a aussi la grotte, on peut pas encore accéder. Hein. Non, la grotte Ah de non, Kara pour finir l'épreuve. il faut le Tauros. Surtout. On va partir sur. Mais un de ses surnoms, les gars. On va l'appeler. Hé, Matelot, je voulais dire, mais non, c'est nul. Je pense. Je pense que c'est nul. C'est pas qu'on ait un surnom qui a un sens tous les deux. Bah, moi je vais l'appeler. Toi, tu vas l'appeler Mouette. Et moi, je vais l'appeler Mouette aussi, mais sans de TE. Ça fait Mouette, Mouette. Les deux Mouette, Mouette. C'est trop chou, non? C'est mignon, ouais. C'est mignon, hein, deux mouettes mouettes. Ça fait mouette et mouette. Le couple mouette mouette. C'est trop mignon, non? Arrête! Non, elle est pas du tout convaincue. Je fais semblant. Ah, mais ok. Alors, il fait combien? Il fait presque 10 kilos le tien. Elle est grosse. Elle était trop forte, qui sait. Oh mon dieu, je vais avoir un œuf. Alors, on va l'appeler mouette comme je l'avais prévu. Enfin, prévu. Je n'ai inventé le truc, hein. On va l'appeler mouette comme ça et toi mouette normale en fait. Et ça fait le couple mouette mouette. Ok, c'est un peu nul, mais il faut qu'on ait des surnoms un peu qui vont ensemble, je trouve, ça serait intéressant. Mouette, mouette. C'est mouette mouette, le couple mouette mouette. Alors, du Je veux coup, voir sa nature, moi. idem, est-ce qu'on va partir sur du modeste? J'aimerais bien que cette fois-ci, il y ait au moins une bonne nature. Non, je veux pas voir le Modeste, pokédex. modeste serait le bon. Est-ce que c'est bon? Attention! Ah, comme le Ça tien. va. Bah, c'est pas, ça me. Ouais, c'est pas mauvais. Ah! Oh, t'as une jolie aile. J'ai encore regard vif. Et les gars, moi j'ai team regard vif. Regarde Team vif. Piaf. Oh, il est bien. Bon, base de défense, c'est pas grave, mais au Par moins. contre, c'est marrant. T'as une hausse d'attaque spé, mais t'as moins d'attaque spé. T'es niveau combien? Ah, ok, je me disais. Je me dis, putain, c'est pas possible. Très bien, bah Bon, du là, coup, par contre, c'est là, bien. j'ai plus envie de le faire repeller lui que Hilary. Bah, moi, je vais essayer de faire repeller lui, mais bon. Je suis pas très chaud, quoi. Enfin, moi, franchement, moi bon, je l'utilise pour toi, en gros, tu sais. Je le garde dans la team, mais. C'est pas ouf. Ça me fait deux Pokémon vol, mine de rien. Enfin, pour l'instant. Toi? Bah oui, Brandibou est type vol, hein, pour l'instant. Ah oui, pour l'instant, mais après il sera type spectre. Il va enlever son type vol, donc c'est bon. Concrètement, Non, t'as. mais je voulais aller affronter le brasseur là-bas. Si, c'est quoi? Mais je sais, sniff, sniff, sniff. Philippe, allez! Alors du coup, il y a des Goélis et des Ramalos comme Alarmibule. Ah, oh, ça Larvibule! va. Il est que insecte. Point, Bon. ça va. Heureusement d'ailleurs. Mais Qu'il est qu'un qu'est-ce que insecte. j'ai pas le droit de fuir? Ouais, parce qu'il est plus rapide que toi. Merci, c'est gentil. Ah, t'aurais pu avoir une femelle mouette-mouette un peu meilleure. Ouh, il fait beaucoup de dégâts. Parce Oh que genre. ouais, mais la nature, ça aurait pas forcément été ça. Je crois que les Pokémon sauvages m'aiment. Je sais pas toi, mais. C'est un shiny, t'as le droit de le capturer aussi. Et il prendra le prochain couple de chez moi. Ouais. Mais bon, ça, c'est dans les cas exceptionnels, hein, ça va jamais arriver, les gars. Enfin, moi j'y crois peut-être un petit peu. J'ai pas eu un seul shiny, on va dire, de manière random. Moi Si, pareil. si t'as eu un shiny. Pas de manière random, T'as je l'ai eu qui en chassé. shiny? Caninos. Explique-leur l'aventure, l'histoire de ce Kainos. J'ai mis une semaine à le chasser. T'as commencé chez moi? Non, Non, ah non. j'ai commencé à l'aéroport chez moi. Parce que je À t'ai dit. l'aéroport, chez toi. À l'aéroport, chez toi. Ouais, c'est vrai qu'elle habite à l'aéroport. Sa maison, c'est l'aéroport. Sa maison, c'est l'avion en fait. Non, du coup, elle habite en France et moi en Suisse, vous avez compris ça, je pense, dans l'épisode précédent. Et du coup, elle vient en avion. Et du coup, Voilà. elle s'est dit, je fais Caninos.
Je voulais avoir un canino shiny avant d'arriver chez toi et au final. Elle l'a eu chez moi, donc c'est encore mieux. C'est encore mieux. Enfin, elle a eu chez moi, mais plus tard. Genre, voilà. Bah, c'était hier par rapport à. Oui. On dit pas la date qu'on est aujourd'hui, mais c'est hier par rapport à l'heure où on tourne. Ah, il fait pas mal de mal, ce larme bulle. Alors, est-ce que j'ai foi? Bon, ça va, il devrait résister. Par contre, toi, tu fais pas de coups critiques, sinon je pleure. Ouh là là. T'as pris cher, hein. Bah, faut bien qu'il s'entraîne. Rugissement, ah, ça va. C'est bon, si il fait pas de piste là-haut, ça va. Ça va, tranquille. T'as piste là-haut, toi, sur le tien? Oui. Ok, donc il l'apprend déjà au niveau 5. Allez, refais rugissement. Sois gentil. La vitesse baisse beaucoup. Depuis quand c'est Christian? Hmm. Depuis quand sécrétion ça baisse x2? Ça baisse x2? Ouais. Ah, ça me savait pas. Effectivement, c'est nouveau alors. Regarde. La vitesse baisse beaucoup. Ah ouais. Après, je connais pas tous les talents de la bulle. Je sais pas s'il a le talent, il possède le talent qui double les baisses ou les montées. Ce qui serait un peu. Les effets, tu veux dire? Ouais. Il y en a certains qui l'ont comme Camerupt, il me semble. Du coup, mais je connais pas ces. Mais je pense pas, c'est un insecte tout pourri. C'est genre les gars. Ils respectent pas, tu sais. Du coup, vous avez vu les combats, mais un petit peu décalé, mais c'est pas grave. Alors, on va soigner notre ami. De toute façon, mouette, je vais pas le faire combattre contre l'autre mouette, ça va être trop galère. Mais moi, il reste, hein, il résiste. Hein. Moi, je vais le laisser devant. Hein. Ouais, mais moi, se faire pistolet à eau chacun. Ah, du coup, y'a rien ici. Y'a plus rien. Plus de combat. Ah, si, y'a aussi des zones. Je pense que c'est les mêmes. Oui. Ah. C'est la même. Attends. On va essayer de choper les objets. Il y a pas d'objet. Hop. Toi, est-ce que t'es un dresseur? Mouette, mouette. D'accord. Dommage. Au moins, ça lui fera monter niveau 6. Très bien. Bah, du coup, est-ce qu'on entraîne mouette de mon côté? Je pense que c'est pas nécessaire. Pour l'instant, non. Moi, parce que moi, nécessaire. Mais là, j'ai full. Regarde-moi cette. Cette team qui est full dans la merde contre le type électrique. Ouais. Moi ça va. Toi c'est bien toi. Toi t'es un peu tout. Parce que lui il va évoluer, tu te dis ça, donc c'est bon. Ça franchement. Je suis pas mal. Ouais. Pour l'instant. Du coup on attend un petit peu Reva. Yeah. Et on fera une petite coupure à ce moment-là parce qu'ici on va recevoir Motisma. Dex. Et du coup tout ce qui se passe avec Forb c'est un petit peu relou. Vous connaissez, de toute façon on va recevoir le Motisma Dex. Et ensuite on va. Nous expliquer ce qui consiste notre quête, je crois. Et du coup, voilà, donc ça repasse strictement à quelque chose de vous le montrer, encore une fois. Du coup, voilà. Du coup, on vous laisse là-dessus. T'as fait le dresseur? Oui. Ok, on vous laisse là-dessus, on se retrouve direct après. Un petit clap! Voilà, donc on se retrouve pour la suite. Donc on est à l'école du dresseur. Hein. En gros, il s'est passé quasi rien. On a juste Motisma Dex en plus. Vous voyez, maintenant, l'écran du bas, il est joli. Et du coup, on va directement y aller parce que Reva, elle a envie, toi. Elle a envie de faire des combats. Donc ouais, va, je veux capturer mon nouveau Pokémon. Et nouvelle zone qui approche dans cette cour de récréation. Je vous le rappelle, si on tombe sur un doublon, évidemment, on peut réitérer la chose. Si on tombe sur un asexué, on peut réitérer la chose aussi. Et si on foire un Pokémon, on ne peut pas réitérer la chose. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que des Abras peuvent... Ah, les multi-ex sont là direct. Ouais. Je me rappelais plus qu'on l'avait direct ou c'était après, je pensais, mais finalement non. Donc on va l'activer déjà parce que ça peut nous aider, surtout dans ce genre de Nuzlocke, entre guillemets, vu que on a besoin que nos Pokémon soient quand même tous un peu pré-entraînés, donc des fois on peut pas toujours utiliser les mêmes. Donc c'est cool. C'est alors, cool. Les premières, est-ce qu'il y a des premières herbes ici? Non. Elles sont plutôt vers la gauche, quoi. Ouais. Ah, et activé par défaut, en fait. C'est cool. Très bien. On va chercher l'objet que j'ai vu là-bas. Hop. Ah, je crois que c'est un dresseur, lui. Je pense bien. Non, même pas. Bah, moi je suis comme ça. Je fais le petit dresseur. Alors, je suis. Alors, ça fait un Miaouss. Oh non, il est volé par bonheur. Et alors, tu le rendras heureux comme tu me rends heureux, n'est-ce pas? Non, ok. Mais je préfère te rendre toi. C'est attention, c'est normal. Oui, je sais. Ah ouais, non, mais t'allais le capturer, je vois. Non, j'ai fait un misclick. Ok. C'est ça d'ailleurs qui m'a coûté. Une semaine de chasse de Caninos. Le misclick. Ah, les misclick. Allez, alors quelle femelle auras-tu? Oula, niveau 8. Ah, ils sont. Ah, asexués. Asexués. Attends, niveau 8 là par contre, il est chaud. Il est chaud de night. Est-ce que je résiste? Oui, je résiste. À un coup. Non. À un coup, je résiste.
Ah, il fait pas mal du tout. Écho. Ah, c'est. Non, mais par contre, j'aimerais bien fuir s'il te plaît. Ça devrait aller. Oh là là. Ouh, fais gaffe, hein. S'il réutilise Echo, ça va être plus fort. Ouais. Je pense qu'il y a un Pokémon qui a décédé. Déjà. Non, pas déjà. Bah, attends. Un petit tas de mort. Non, je pense pas. Oh, tas de mort, tu en voulais en plus. Ouais. T'as eu que des mal là. Humanity. Oui. Ah, je suis contente. Ouf, c'est bon, il a arrêté. Oh, j'espère qu'il a pas de toxi. Touche. Il tient la bouée noire. Il y a la bouée noire. Oh, oh, oh la chatterie de la meuf. Si elle se fait pas tuer et qu'elle le capture. Ah, mais je le veux. Je oh la chatte. Et t'es que c'est genre 5% de chance. Hein, ouais, je sais. C'est ouf de ça. Ah, oh, c'est génial. Alors autant elle a pas de chance pour ses 3 premiers Pokémon, autant je veux pas un 3, la moite ça va la moite. Je préfère un Ramolos. Là j'ai le Pokémon. Donc elle m'a dit dans la coupure, elle m'a dit ouais je veux t'aide mort, elle là, au calme. Moi tu vas voir ce que je vais avoir, de la merde. Non moi ça me dérange pas Miaus, hein. Franchement, un Pokémon Dark comme ça. Alors j'ai un peu soigné mes Poké parce qu'ils ont pris cher. La boue noire s'il te plaît quoi. Surtout lui. Est-ce que je réutilise. Ouais, j'en ai 7, c'est bon. Oh, gaz toxique. Par contre, il va être un peu embêtant à capturer. Non. Ok, c'est bon, que 2 PV de poison. Alors, c'est ici qu'on a tout ça. Je pense que je peux refaire un autre pistolet. Hein. Ou quoi que non. Non, non. On va pas tenter. On va jouer safe. Magnéti asexué. Ah ouais, par contre, tu tombes pas sur un labra, toi. Ah ouais, si tu tombes sur un labra, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas capturer ton truc, hein. Mais il sera tout seul. Jusqu'à qu'un jour, bah, il y a un. Ah, je sais pas, en fait. Jour, elle tombe amoureuse. Elle tombe amoureuse, voilà, c'est ça. Et vu que t'es mort, voilà, je vais devoir faire. Ah ouais, c'est ça, ouais, en fait, il faut que j'ai un labra. Comme ça, je vais te le foirer. Ah, il fait mal. J'ai envie de te foirer dans le poké. Vas-y. Ah, je suis obligé de switcher là. Encore un Magnéti! Parce qu'il résiste pas après un. Ah, je suis trop dans le mal en fait. Oh mon dieu. Je pense au niveau 8, ils sont chauds ici en fait. Je pense qu'après cet épisode, on a un petit peu XP. Ah oui, je pense que oui. Attends, un léger, hein. 2-3 niveaux. Parce que là, le tas de morve final là. Je sais pas comment il est, mais il est niveau 9 ou 10. Hein. Ah bah tiens. Oh bah tiens. Oh, un couple de tas de morts, ce serait mignon. Attends, on a que des couples similaires, hein, si on a des trucs comme ça. Attention. Eh oui. Le couple tas de morts. Le couple. Eh oui, okay, les gars. Bon, je peux tenter encore un pipi. C'est du spé. Alors, je veux faire rugissement pour le calmer. Il va te faire mal, en effet. Parce que sinon, je risque d'avoir Bobo. Par contre, moi, je suis sûr que t'as pas la bouée noire. Hein. Ah, très bien. Y'a pas de soucis, les gars. Nous, on va temporiser le truc. Ah, mais c'est vrai qu'il a fait armure. Du coup, on a 2 mouettes et 2 tas de morts. Attends, c'est pas sûr, faut que je la capture encore. Ça, c'est dingue. Hein. Enfin, pour que ça arrive quand même là-dessus, c'est une mini chance. Après, on pourra switcher les couples, donc vous inquiétez pas. Même si moi, j'aimerais bien garder les 2 tas de morts ensemble. Ça, c'est féminin, hein. Ça fait tous des petits couples. Des tout petits couples. Alors, écho, c'est pas beaucoup normalement parce que je suis rigide. Mais si ça augmente à chaque fois, ou la morsure. Moi, par contre, après, je vais faire soigner mes Pokémon. D'accord, il est chaud de night. Toi, je sais pas ce que tu vas l'appeler à. Gaz toxique. Je sais pas comment on appelle. Comment tu veux l'appeler? Non, toi, tu vas l'appeler Aaron Nero. Ah, je peux l'appeler Aaron Nero, effectivement. Donc, dans Bleach, pour ceux qui connaissent. J'appellerais bien Mayuri. Mayuri, c'est un peu. Mayuri, ouais, c'est pas mal. Hein. Pour par rapport à son Bankai, qui empoisonne tout. De toute façon, son Bankai a un nom trop long. Ce machin. Jizo. Je l'appelle Jizo. Ou Mayuri, ouais. Après, Mayuri, ça fait c'est garçon, hein. Mayuri, moi, je trouve que c'est une consonance féminine. Bon, on va juste pour la peine, je mets un E. Ou un Y. Non, c'est un I, hein, à la fin. Je voulais féminiser un peu le truc. Mais Mayuri, ouais, c'est vrai que ça peut sonner fille. Moi, du ah, coup, ça fait plaisir. Bah, je vais l'appeler le Jizo, moi. Jizo. Ah, alors, moi, je vais aller au centre Pokémon soigner tout ça. Ah, son famille, il est chaud, hein. C'est cool.
C'est Kurosutsujiji, donc comme ça. Ah, bah tiens, bon, au moins t'as. Et t'as que des Pokédex avec des mauvaises natures. Mais tu vois, c'est parce qu'en fait ils sont trop pétés, ils ont grave de bons IV. On verra après au premier capitaine, comme on l'a dit, on peut changer des couples. Donc on peut mettre deux couples pourris et les mettre du coup dans le PC. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Et mettre deux couples qui sont qui ont des bonnes natures. Par exemple, ton Hilary là qui sert à rien. Moi je pourrais très bien la mettre en couple avec mon ma mouette. Et hop, on jarte les deux, on les met au PC, tu vois. Exactement. Donc on verra si déjà on arrive à, par contre, à y arriver. Je vais la garder, clairement. Ah, je l'aime trop. Et je vais me racheter aussi quelques Pokéballs. 42 kilos le truc. D'accord. Bon, ça va. Ça se fait plaisir. C'est quand même lourd hein, pour un sac de bouse. Alors, Jizo. Hop. Ah, ça fait plaisir. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais pas l'avoir. Et hop. Je crois que c'est comme ça qu'on fait Jizo. Je crois qu'il y a un tiré sur le haut. Oh. Ah, ça. Non, un tiré. Il n'y a pas de trait. On va mettre le chapeau. Et un peu de potion. Très bien. En plus, on capture des Pokémon au bon niveau. Mmh. Ah, j'aurais bien voulu ton niveau 8, tu vois. Quoique ça aurait été plus galère pour moi. Ah, mais du coup, j'entraîne Jizo, hein, direct. Ah, mais carrément, moi aussi. Enfin, quoique, j'ai besoin de l'autre. Je vais aussi passer me soigner. Bah, de toute façon, on a le multi-exp, donc ça va. Magnifique, regarde-moi ce combo. Tant d'amour entre nous, entre Jizo et Mayuri. Yes. Morsure. On va essayer de l'empoisonner comme ça, nous. Avec une toxitouche. Qu'est-ce qu'il fait? Il te baisse ta défense spéciale. Très très bien. Il pleure le petit. Qu'est-ce que c'est mignon. Mais par contre, il a pas l'air d'être très résistant, ce petit Mandrake. Non. Mais en même temps, toi tu fais morsure, c'est stable. C'est stable et c'est... Mandrake, ça reste un bébé Pokémon. Donc ouais. Ça c'est fragile. Bon, après il est type roche. Mais pourquoi tu fais ça? Ok. Je voulais juste voir combien il lui enlevait. T'as pas Goélise en plus? Oh, il a cruel, c'est bien. T'as Goélise peut faire pistolet. Mais je voulais voir combien il lui enlevait. Oui. Mais il lui enlevait pas beaucoup. Très bien. Et du coup, moi je vais visiter vite fait, je me rappelle plus ce qu'il y avait en haut. Juste voir ça. Oh oui, il y a la prof. Alors, ici il y aura un futur dresseur d'Evoli. Enfin, de... Aqualie. Aqualie, c'est. Parce qu'elle dit qu'elle nettoie les vitres. Ah oui, après ici, il y a la fin. Très bien, j'ai oublié ça. Ah, mais il fait mal, en fait. Il a fait une attaque roche. Non, il a fait photocopie, il a fait crasse face et il m'a enlevé beaucoup, mine de rien. Ouais. Crocolarme. Oh, il pleure, Sniffy. Est-ce qu'il y avait un objet, là? Oui, il y a un objet. C'est quoi? Je sais plus. Ça sert à rien. Okay. Oh, il y avait un objet ici. Petite potion. Et du coup, mais si je fais un combat contre un propre, ça va être relou, je pense. On va faire écrase face à foison. Go. Dernier combat, avant-dernier combat d'aujourd'hui. Attends. Il t'a encore un dresseur à battre. Merde, il est où? Je crois qu'il est dans l'école. Oh non, je suis sorti exprès. Ou alors c'est pas le petit gars. Quel petit gars? Dehors. Ah oui, j'ai pas parlé. C'est vrai qu'il faut leur parler. C'est vrai que ils sont pas encore en mode automatique. Ah oui. Ouais. Je me disais qu'il y avait un truc qui manquait. Genre un petit miaouf ou un truc comme ça. Ouais, et moi je récupérerai après les objets avant d'affronter le dernier dresseur. Histoire de... Crise acier? Ah, je posais plus un miaouf. Bah, il va pas faire un truc, le petit crise acier. À mon avis, il va faire un mur. Non, tu crois? Quoique, il peut apprendre charge. C'est vrai, il peut avoir charge. Ah, je peux le dépasser. Vas-y. Parfait. Tu sais qu'il a mis. C'est pas grave, il a une chance sur 3 pour que ça marche mieux. Ah, t'en disais pas. Eh oui, moi. Ah, voilà, il a réussi, cet enculé là. T'es gentil avec elle, je dis que... Allez, tu... Allez, pas te moquer de moi. Mais... Qu'est-ce que tu me fais charge, toi?
Et la charge, tu hein. Tu te calmes. Tu me laisses te tuer tranquille. On voit que Mayuri est un peu en PLS. On peut voir que quand même il y a toujours des tas de morphs qui sont un peu plus forts, tu vois. Genre c'est naturel, c'est comme l'homme, il y a toujours des plus forts et des plus faibles. Je pense que ton tas de morphs, ça sera une future une future tarlouse. Non, après c'est une meuf, hein. Donc elle a forcément nécessairement une attaque plus basse. Attends, je fais des explications. J'ai des explications relatives. Il y a deux objets. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. T'aimes bien mon explication? Non. Ok. Ça se trouve, t'es plus fort que moi, hein, au final. Faut voir le niveau d'attaque quand tu seras au même niveau. J'ai une baisse d'attaque. Moi aussi. Ah oui. C'est pour ça. On est deux pourris. Enfin, deux pourris en attaque. Antidote. Bon, du coup, je peux aller voir l'autre maintenant. Antipara. Ça sera coup de écrase-face. Ah, c'est vrai qu'il a tas de morts, ce truc. C'est un gros tas de morts. Ah, faudrait qu'il se mouche, hein. Jeu de mots. Ah non, t'es resté bloqué là-dessus. Gros tas de morts, révolution dans la mort. Moi, j'étais là-dessus, moi. Oh, on a pas le même humour, du coup, ça va être compliqué, les gens. Hein. Mais c'est pas grave. Je la coacherai en off. Du coup, il me dépasse normalement parce qu'il a pas nature. Oh là là, ça va être long. Bon, on va faire ça, on va se faire place. Bah, écoutez les gars, du moment qu'on chope pas de crit, c'est bon. Après, je vais faire armure, au cas où. Par contre, merci. Elle a fait armure avant. On va essayer de le mettre mid-life. Et après, on switch au cas où. Il faudrait pas mal de dégâts. Ah, il refait. Allez, une petite pause. On va mettre... Oratoria. Pour c'est du pistolao. Ouais, moi je suis déjà en mode oratorien. Moi je connais pas les petits Pokémon. Goku, c'est dire Goku, d'accord, c'est pas, c'est pas petit Goku, c'est Goku. Ah non, mais Goku il est fort en fait. Goku il est cheaté. Très bien. Vas-y. Ouais, c'est parti. Pistolao. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ouf. Je le disais. Ah, mais non, tu te casses. Ah ouais, il fait mal. Hein. C'est pour ça que je me suis dit que. T'as l'idée avec qui? Rotan Morn. Enfin, Mayuri. Ah oui, je me suis dit. Pour qu'il prenne l'XP. Mine de rien. Non, alors. Non. Ouais, fais écrase face jusqu'à qu'il fasse une armure. Du moment qu'il fait une armure, c'est l'enfer. Tu me flinches pas? C'est bien, c'est l'enfer. Tu lui fais à toi. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Quoi? Ça va être lent. Après, ah oui, tu te soignes, tu peux cheater comme ça, toi. Il te fait combien? Il te fait 35. Et toi, tu lui fais à peu près la même chose. Et tu récupères... un PV. Ah ouais, d'accord! C'est la grosse arnaque! Voilà, là, tu peux switch. Je pense qu'il va refaire une deuxième fois, c'est pour ça. Et si t'as... je vais devoir envoyer Mouette. Ouais, Mouette, ça fait du taf. C'est surtout qu'il tape dans le spé, quoi. Après, je pense que lui, par contre, il te fait une morsure, Inch'Allah, tu re-switch. Je pense que tu peux re-switcher après. Ah, il fait direct. Ah, mais non! Ah, mais non! Alors, comment je fais, moi, du coup? Bah, là, du switch, en tout cas, du respiration. Il y a moite-moite qui va. Les deux moite-moite vont crever. Reste en avant. Je suis en train de me réfléchir. Bah, tu peux mettre Chichi. Il a une plus de défense. Logiquement, ça devrait aller. Bon, en attendant, je vais soigner un petit peu, j'ai des potions. Pourquoi c'est toujours pour moi les combats à rallonge? Écoute, il y en a qui sont nés avec... le talent. T'as tout compris? Et d'autres moi. Non, mais c'est pas grave. Tu verras la suite. Moi, je me marre maintenant, à l'heure actuelle. Tu verras la suite. Je me marrerai moins, je le sens. Alors, comment il te fait avec morsure? Il te fait... d'accord. Tu peux encore en refaire une avant de te soigner. Bon, en attendant, je vais aller voir Mademoiselle en haut, ok. Et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, enfin sur ces combats de... Par contre, on aura fini le combat contre... Comment elle s'appelle? La secrétariat, la secrétaire... La prof. C'est la prof, c'est une prof, ok. Donc voilà, on termine sur le combat de la prof. Bon, et ben, j'y vais déjà. Et après, comme ça, elle suivra. Ça elle a fait un coup critique, elle fait? Non. Ah. C'est que j'ai le poison aussi, je te signale. Tu fais quand même pas mal de dégâts, hein. Mine de rien, alors que t'es moins attaque.
Vas-y, refais, c'est pas grave si tu... Non, si je meurs. Vas-y, tu résistes, je pense. Sauf que j'ai le poison derrière. C'est pas grave, tu résistes. J'ai foi en toi. C'est bon, tu résistes tranquille, mon gars. Ok, chichi, je vais au centre Pokémon tout de suite après. Alors, Jizo, qu'est-ce que tu vas nous faire? Un petit morsure. Magnéti. Oh, Magneti. Heureusement que j'ai chopé ta mort parce que j'avais une foule. Il t'a pas en spé. Oh, moment. Alors, attends. Étonnement, tu vas prendre. On va soigner, les gars. On va soigner. Parce que là, c'est un peu plus compliqué que prévu. Parce que j'ai full faiblesse électrique. Donc, sur le coup, je peux pas permettre de switch. Ouf, donc, on va garder Jizo. On va garder Jizo. Il fait exactement combien? 10. Donc, il nous fait 15 au maximum. Très bien. Allez. Donc, normalement. Non, c'est bon. Donc, maintenant, on va rattaquer. On va tenter. S'il me fait un coup critique, on meurt. De ta mort. Non, si je perds. Ah, mais non. Ce fut très près de la mort. J'ai failli te menacer. J'étais en train de te menacer. Regarde touchant, regarde Goku, il fait chichi chan. Non, il fait pas ça Goku, il fait. Il fait plutôt oh chichi. Non, c'est. Tu vas faire bouffer ou pas? Non, c'est surtout j'ai trop faim. C'est ça. D'ailleurs, j'ai trop faim. Ah, bah rassure-toi, ton père va rentrer. Enfoiré. Ah merde, y'a Meowth aussi encore. Ok, on va partir sur Cui-Cui. Cui-Cui, j'ai foi en toi. Cui-Cui, pour l'instant, je suis pas très fan. Bon, après, il va évoluer, ça doit aller. Il évolue assez vite en plus, niveau 14. Ouais, j'ai même pas pu le voir dans mon explay. Il s'est fait niquer par Kelorior. Je me rappelle avec une charge. Alors, morsure. Ah, mais mec, c'est quoi ces dégâts? C'est quoi ces dégâts de ouf? Ok, on va faire participer tout le monde. On va mettre Mouette pour voir. Tu remets pas les Jizo, hein. Non, oui. Eh bah, dis donc. Ça va, Mouette, il résiste. Eh bah, dis donc. Alors, j'ai plus de spé ou plus de physique avec lui? Tu crois que t'as plus de spé? Je pense, ouais. Oh là là! Meowth, il est pas commode. Il est pas commode. Hein. Ah, ok, on finit avec Goku. Goku, ça! Fais-nous un Kamehameha! Non, ah. Une petite voix enjôleuse. Voix enjôleuse. Mais mec! Mais calme-toi! Meowth, ils sont chauds! Ça va, il me fait 10 PV. Idem, ouais. En fait, il nous fait la même chose. C'est-à-dire que t'es plus résistante que moi sur le plan défensif. Oh! J'ai regagné. Ah oui, tu regagnes des 2 PV. 2 PV cette fois-ci. Aïe. Ah, commence pas. T'as tout, hein. T'as de tout, toi. Magnifique. Les combats rallonges, j'en adore ça. Du coup, on se retrouve la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas, hein, j'anticipe juste la conclusion. Hein. Vous verrez le combat de fin avec Reva. Mais je voulais vous dire qu'en fait, on va, je pense, XP tout le monde au niveau... 10. Ouais, niveau 10, en fait. Donc ça va. C'est pas non plus la grosse... entraînement, donc ça va. Niveau, t'as 17, 18 d'attaque. Il gagne 0 en vitesse. Ah oui, mais il est pourri, hein, tu sais. Attention maintenant. 5 Super Bowl, très bien. Non, mais je. Ah, j'ai mis clic. C'est pas grave, tu veux participer tout le long. Est-ce que tu t'es soigné? Ah, c'est bon. Bah, tu. Mais chichi, je pense. Enfin, mais Mouette, tu peux faire Mouette pour la faire participer. Parce que comme ça, tu gagnes plus d'XP. Vas-y, fais Mouette. Hilary, on s'en fout. Parce que de toute façon. Hilary, elle participe de manière passive. tu mets Mouette, tu fais un petit pistolet là-haut, après tu te casses. Ah, il fait griffe. Genre, il change chez toi. Il s'est dit. C'est bien. Je fais griffe. C'est bien. C'est trop bien. Ah, il y a Altero, tiens. Le premier capitaine qui nous fera peut-être switch. Qui nous fera peut-être switch de team. Je voulais voir combien t'as. Si t'es plus P ou physique, toi. T'es plus P, clairement. Oh, la défense, elle est pas ouf. Hein. Et pourtant, il prend pas tant que ça. Non, c'est peut-être le Meowth ce qui est mieux. Ou alors, attention. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Tout se passe bien. Et tu chopes tout. Hein. Tu ramasses tout. Elle est trop deg. Elle va casser des mers. Alors, on dirait pas comme ça, mais Reva casse des mers. Hein. C'est comme Chichi, en fait. Hein. Elle casse plus que des mers. Attention. Chichi, attention. Hein. Elle a... Je crois que... Je sais pas si elle a donné une baffe à Cell. Elle a donné une baffe à Cell ou pas? Elle a osé faire ça, non? Ou crier sur Cell. Je sais plus ce qu'elle a fait, mais c'est une tarée. Tu sais quoi, je vais reporter ma frustration sur
l'objet ou le truc le plus proche. Ah oui, comme t'es comme ça. Ah, t'es comme Hein? ça. Hein? Vas-y, tu vas le tuer. En attendant, moi je fais la suite du blabla. Mais ouais, je crois qu'on va faire ça, on va juste XP jusqu'au niveau 10. Moi je pose ici ma DS, allez hop. Donc ouais, pour cet épisode 2, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Je sais que ça, il faut un peu de temps pour que ça démarre. Mais dès que ça démarre, après ça y va les gars, ça y va net. Ah Hein. oui. Parce que là c'est vrai que ça... Là c'est vrai que c'est un peu les premiers combats, donc nos Pokémon n'ont pas beaucoup de différence par rapport aux autres. Et puis on n'a pas encore un moveset intéressant. Mais dès que ça part, ça partira. Vous inquiétez pas, on va aussi faire des switches de Pokémon. C'est vrai qu'avoir des doublés de Tadmor et de Oh non, Guelizh. non, non, moi je dis que C'est mignon, tu crois? le couple Tadmor, on garde. Oui, on gardera. Ah, tu veux garder le couple? Ouais. Enfin, je verrai, peut-être que moi j'ai pas envie d'utiliser. Et je mettrai au PC. Du coup, ça te forcera. Juste pour t'embêter. Je suis un bâtard, les gars. Ah ouais, je suis le roi des bâtards. Bref, et du coup, vous n'avez pas vu, mais moi je m'appelle Luca dans le jeu. Hein. Je pense que vous avez pu le constater. C'est donc mon prénom, hein, au cas où. Non, Mais c'est pas aussi, c'était vrai. pour symboliser le fait que bah c'est pas Pyrux qui joue, mais Luca. Même si pour moi c'est la même chose, mais bon. Parce que moi je joue pas de personnage quand je fais mes vidéos. Mais du coup, ça fait aussi une différence entre mes deux versions. Comme ça, je confonds pas les Pokémon qui viennent de Luca et les Pokémon qui viennent de Pyrux au cas où je fais des échanges. Voilà, un petit peu le délire. On vous laisse là-dessus. À la prochaine. Dis-leur un petit truc chou. Chou. C'est possible. Fleur? Fleur? Non, Fleur? dis-leur un truc de fin. Bon bah pour les prochaines fois les amis. Les amis, au revoir. Les amis. Les amis. Wesh. T'as cru que c'était poteau? Bah ouais.